Coucou, accompagnez-moi à H+H à Cologne, donc en Allemagne, le salon un des plus grands d'Europe, tout ce qui est du die. Donc on est parti là-bas, là vous pouvez voir le décollage de l'avion, on est arrivé, là je vous ai filmé la magnifique cathédrale, elle est à couper le souffle en réalité vraiment. Là vous pouvez me voir ma fille, mon mari, donc ma fille elle a bien changé maintenant, elle va avoir 13 ans bientôt. Et là on a commencé à découvrir tout ce qui est les crochets, enfin vraiment il y avait des artistes là-bas, il y avait plein de monde qui exposait. J'ai vu vraiment des choses qui m'ont vraiment bluffé, comme par exemple tous ces crochets, ces aiguilles. Voilà, vraiment magnifique. Regardez-moi ça, les couleurs et tout. Là, vous pouvez voir une girafe recouverte de petites fleurs, c'était magnifique. Là, il y avait un stand magnifique aussi, parce qu'il y avait des couleurs vraiment comme moi, j'aime nature et tout. Des manteaux un peu fantasy, vraiment très chaud comme ça, très spécial. Et ici, c'est pareil, hein. Des beaux sacs, enfin voilà, des très belles choses. On en prend plein les yeux quand on va là-bas. Si un jour vous pouvez y aller, n'hésitez vraiment pas à y aller, puisque vraiment vous vous régalez en fait. Pendant 3 jours que ça dure, vous vous baladez, vous voyez plein de monde, vous faites des rencontres entre passionnés et tout, c'est vraiment génial. Là, il y avait un stand avec des petites maisons, c'était trop mignon. Et là, regardez, c'est des mini crochets. Style porte-clés, donc j'ai trouvé ça trop original. Là, c'est pareil avec deux laines différentes qu'ils ont fait, franchement, à couper le souffle. Là, mon stand préféré, évidemment, les tulipes. Donc, c'était génial d'y être, vraiment. Regardez comme c'est beau, même pour la couture. Là, il y a mes crochets, donc les crochets Timo, les bleus. Donc, c'est ceux que j'utilise dans mes tutoriels. Là, c'était tout mignon, vous savez, c'est pour mettre les épingles. J'ai trouvé ça trop chou aussi. Donc, je les ai filmés. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et là, j'ai adoré. Vraiment, c'était mes œuvres d'art préférées. J'ai adoré ce stand-là. Je les ai trouvées très, très rigolotes, ces petites femmes-là. Je ne sais pas, j'ai adoré. Ces couleurs fluo trop jolies aussi. Là, cette laine, elle était à couper le souffle. Là, c'est pareil, c'était une autre, c'était la cousine des autres. Ça, c'est trop beau, ça m'a fait penser au Pérou, ça. Et là, ce sac, on en a un vraiment qui ressemble. Donc là, c'était avec un autre genre de fil, c'était beaucoup plus épais. Et là aussi, des tenues, voilà, je ne me verrais pas sortir avec, mais c'était vraiment, ça faisait vraiment fashion, quoi. Ça, j'ai adoré, j'avais envie d'acheter, mais sauf que là-bas, on ne pouvait rien acheter. C'était vraiment juste pour mettre les choses en avant, mais on ne pouvait pas les acheter. Là, c'était trop mignon, c'était des petits amigurumi. En fait, là, c'était un stand de tout ce qui est fil couture. Et là, il y avait une dame, en fait, qui faisait ça. Trop chou. Moi, je suis allée directement à mes yeux, ils m'attirent vers les moutons, je peux rien, en fait. Voilà, je trouvais ça magnifique, ce qu'elle faisait vraiment. Ça, c'est vraiment de l'art aussi. C'est en couture, hein. C'est de la couture, mais c'est vraiment... Franchement, c'est trop beau. Ça, c'est un truc que j'aimerais apprendre à faire dans ma vie, vraiment. Et ça aussi, c'est... je crois que ça s'appelle punching quelque chose. C'est, vous savez, quand on pique, on pique, on pique, on pique, on ramène la laine, etc. Et ça fait des tapis, des coussins et tout. Là, pareil, des jolis ouvrages au crochet, au tricot... Là, c'était trop mignon aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'était des carlins, en fait, avec un éléphant. Et ce stand-là, je l'ai trouvé trop original, moi, personnellement. Ça faisait vraiment trop artistique, trop beau. Vraiment. Ça, c'est tout ce qui est diamond painting, je crois que ça s'appelle. Voilà, c'est des petits diamants comme ça qu'on colle les uns après les autres. Et alors, il faut vraiment beaucoup de patience. Mais franchement, le résultat, il était trop joli, puisque là-bas, il y en avait tellement de tableaux. Tout qui brillait, qui vous en mettait plein les yeux. Voilà, c'était vraiment trop, trop beau. Le chat, là, trop mignon. Là aussi, plein de petits chats super kawaii.
Et là, alors là, j'ai adoré ce stand. Regardez-moi ça comme c'est beau. Il y a plusieurs, voilà, plusieurs endroits, plusieurs thèmes. Juste trop, trop beau. Ah, les citrouilles, j'ai adoré. Là aussi, c'est trop mignon. Vous allez voir à la fin, il y a une affiche multicolore. Elle est vraiment génialissime. En face, l'étoile. Elle était vraiment à couper le souffle quand on la voyait en vrai. Là, c'était pareil. C'était le stand des machines à coudre et tout. Et ils ont exposé cette robe-là. Très féerique. Là, un magnifique plaid. Vous savez, c'est les laines avec les boucles, là. Tout ce qu'on peut faire avec. Moi, j'aurais pas trop la patience avec ce genre de laine, mais si, voilà, on peut faire des belles choses avec. Et là, c'est moi, j'ai craqué devant un crochet, et je me suis dit, c'est maintenant que jamais la photo. Là, c'était une famille de petites souris, non, mais c'était trop mignon au tricot. C'était franchement trop beau, là. Vous allez voir des coussins par la suite que j'ai touchés. C'était hyper doux. C'était vraiment trop beau, ça, dans un salon, mais c'est juste magnifique. Je vais me pencher sur cette laine. Et le petit pompon en lunettes, vraiment trop, trop cute. Là, c'était le stand de Knit Pro avec les moutons. Là, c'est pareil, c'est Knit Pro. Vous voyez comme ils ont plein d'accessoires en fait pour faire plein de techniques. Là, désolé pour la lumière, ça a clignoté. C'est leur spot qu'ils avaient mis. Donc là, c'est tous les crochets, mais j'ai trouvé ça très joli comme ils les ont mis par ordre de couleur. Là, c'est toutes les housses aussi, vraiment trop, trop belles. Moi, j'ai adoré les vertes. Voilà. Là, j'ai trouvé ça trop mignon. C'était des sacs de café du Brésil, mais dedans, il y avait de la vraie laine en fait, sans être trafiquée encore, vraiment très, très pure. C'est magnifique, magnifique. Là, c'est pareil, c'était trop chou. Encore une cousine aux autres, en maillot de bain. Et là, on a eu la chance d'assister en fait à un défilé de mode. Mon unique regret, c'est que c'était vraiment que du tricot. C'était sur voilà, les nouvelles laines, les nouvelles tendances d'habits, vous voyez, tricoter, etc. Donc, on avait les mannequins, en fait, qui défilaient devant nous. Et la seule chose que je vous ai, comme je vous ai dit, il n'y avait aucun crochet. Donc, voilà. Sinon, franchement, c'était génialissime. Donc, si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas à y aller. Moi, voilà, je ressors de là, vraiment de cette expérience très remplie. On a fait plein de belles rencontres. C'était vraiment génial. Voilà, gros bisous à tous et à toutes. De gros bisous et à très vite pour un nouveau projet. Bisous à tous.